Je l'ai dit et je crois que ça n'a pas été bien compris. Quand j'ai parlé d'honnêteté intellectuelle, je vais vous dire exactement de quoi il s'agit. Il est bon que tout le monde comprenne que dans le processus électoral camerounais, les réclamations et les contestations sont faites à deux niveaux. Au niveau de la commission locale de vote, c'est-à-dire le bureau de vote, et au niveau de la commission mixte départementale de supervision, au niveau de chaque département. Au niveau de la commission nationale, c'est un travail de centralisation et de correction d'erreurs matérielles. Et je crois que, pour qu'on le comprenne mieux, je vais prendre quelques dispositions de la loi. La première disposition, c'est l'article 61 qui dit que la commission locale de vote se prononce sur toute difficulté liée à l'organisation, au déroulement et au dépouillement de scrutin. Ça, c'est l'article 61. Et plus loin, l'article 114 va plus loin. Parce que lui, il prévoit même que ce n'est pas seulement au niveau de la commission que cela peut être soulevé. Car il dit, les contestations qui peuvent être présentées par les électeurs à l'occasion du dépouillement font l'objet d'une décision de la commission locale des votes. Il en est fait mention au procès verbal. Et l'article 63 qui traite de la commission mixte départementale de supervision vous dit en ses tirets 3 et 4 qu'elle ordonne les rectifications rendues nécessaires. Elle centralise et vérifie les opérations de décompte des suffrages effectuées par les commissions locales des votes ainsi que tout document y relatif. Alors hier, il a été montré à Mondiovision des documents qui seraient des procès-verbaux. Et quand je parlais de malhonnêteté intellectuelle, j'ai fait venir quelques procès-verbaux tels qu'ils sont parvenus à la Commission nationale de recensement général des votes, pour que tout le monde comprenne très bien. Le premier que je vous présente, c'est le procès-verbal du Mayo Danaï. Ça, c'est dans l'extrême nord. Voici sa consistance. C'est ce procès-verbal que nous avons reçu. Et puisque nous ne pouvions pas multiplier, nous étions 21. Le seul qui manquait à l'appel, c'est le représentant du candidat Akeremouna. Nous étions 21 et il n'était pas possible de multiplier ce document en 21 exemplaires. On a donc multiplié là où il y avait des tableaux qui nous permettent de faire les calculs et on a distribué à tous les membres, c'est-à-dire 2 ou 3 feuilles dans ce document. Et c'est cela que Maître Ndoki a tendu hier comme étant les procès-verbaux. Voici les procès-verbaux. Ce n'est pas fini. Dans ce procès-verbal du Mayo Danaï, les représentants des candidats ont lu ici Maurice Kamto Soudipol. Numéro de téléphone 699 12 31 57. Il a signé. Je vous donne les résultats. Il était présent. Suffrage exprimé, pourcentage de chaque candidat, Paul Biya 88,42, Maurice Kamto 4,91. Ça, le candidat était représenté en réclamation ou en contestation. Le procès verbal est entièrement signé de tous les membres. Et je vais me permettre de vous donner également les résultats du diamaré. Ici également, Paul Biya 87,78. Kamto Maurice 2,93. Dans l'Anvila, nous sommes au sud. Représentant MRC s'appelle Takou Emile. Bakjumga Paul. Ils n'ont signalé aucun incident. Procès verbal est signé. Biya Paul 86,34. Maurice Kamto 7,63. Et on peut multiplier à l'infini. Je voulais simplement que tout le monde se rende compte que
Les bouts de papier qui ont été servis hier ne sont pas les procès-verbaux reçus à la Commission nationale. C'est pertinent, votre intervention. On vous envoie les PV. L'huissier, venez chercher les procès-verbaux. Il consulte pour nous les ramener. C'est la propriété du conseil. Alors, envoyer les dossiers au fur et à mesure. Pour terminer, je voulais dire que il est bon qu'on ne vienne pas camoufler parce que ces procès-verbaux ont été... Je voudrais que tout le monde sache que l'article 57, l'article 57 du Code électoral dit que 3 membres de la commission au moins doivent être présents dans le bureau de vote ou à proximité immédiate pendant tout le cours des opérations électorales. Et ensuite, Est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît? L'article 62 dit que la commission locale dresse un procès verbal. Suprême. Pardon, autant pour moi, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel, c'est l'émotion qui m'envahit devant ce que je viens d'entendre et en rapport avec ce que je tiens dans mes mains. Je souhaite que la Cour désigne quelqu'un dans la foule pour venir consulter en même temps que moi les documents que nous venons de recevoir et qu'on nous démontre que ces fiches ont été signées. S'il y a des caméras, que le monde entier voit. Les pages ne sont pas signées. Vous avez des signatures à la fin du document. Voilà. Les pages, s'il vous plaît, que la foule voit, les pages ne sont pas signées. Quel est le texte qui demande de signer les pages? Ils viennent de vous dire que il n'y a pas de texte pour réglementer l'endroit où on doit signer. Non signé. S'il vous plaît, ne faites pas du désordre. Et sur, attendez, écoutez-moi. S'il vous plaît. I think the president of the council is trying to call the attention of the lawyers. Écoutez la mise au point. Mon cher ami. Viens de signer. Attendez, lorsque le conseiller vous a présenté ces documents, ces registres, il a bien précisé que aucune loi ne réglementait la place à laquelle on devait signer. On signe à la fin. D'autres peuvent émarger les faits. Il a dit le présent signé et des chiffres non signés et on l'accepte. Car on pourrait signer une feuille de présent pendant que les formateurs de la Cour nous sort quelques PV. Heureusement, dans le lot, il a mis un PV qui est signé. Je voulais dire la chose suivante. Oui. Dans le PV que nous avons signé, en magistrat rigoureux, il a tenu à ce qu'on signe toutes les pages où il y avait les chiffres. Absolument. Pourquoi dans ces rapports, dans ces PV, qui de par la loi doit être signé, on a des chiffres partout, rien n'est signé. Donc, je ne voudrais pas qu'on perde le temps. On nous a accusé d'avoir produit de faux chiffres. Je crois que toute la salle, avec votre permission, pourrait passer à tous ceux qui sont dans la salle. Chacun peut consulter individuellement les fiches que nous tenons. Ces fiches ne sont pas signées. Magistrat de son état, il ne peut pas accepter dans son tribunal qu'on lui présente un document qui n'est signé de personne avec une fiche de présence. On note votre observation. Voilà, je terminerai en insistant sur le fait que nous avons parlé de 32 PV qui doivent être signés. Dans la logique de monsieur le membre, qu'il nous produise les 32 PV ici et maintenant et que le public voit ici et maintenant les travaux. Nous avons également sollicité l'intégralité des débats qui ont eu lieu. Autrement dit, ceux qui participent à une réunion où un procès verbal doit être dressé signent tous ce procès verbal.
pour attester d'une part de ce qu'ils ont participé à la réunion et d'autre part qu'ils sont d'accord avec le contenu de ce procès verbal. Par contre, le rapport est un compte rendu. Le rapport est un compte rendu qui fait un résumé de ce qui s'est passé. Et on peut très bien confier la rédaction d'un rapport à quelqu'un. D'ailleurs, le directeur général de l'ECAM a dit ici tout à l'heure qu'il aurait souhaité que ce soit des rapports qui soient signés. Or, l'article 67 parle de procès verbal. Et qui dit procès verbal, toutes les pages qui contiennent la vérité doivent être signées. On ne peut non pas nous opposer un procès verbal où on a signé la dernière page et que la page qui est essentielle avec les résultats n'est pas signée. Soyons sérieux. Qu'on nous donne les 32 procès PV, qu'on les examine avec toutes les parties au procès. On n'ouvre plus les débats. On n'ouvre pas les débats, monsieur le président. On recherche la vérité. On vous a permis de voir ce que le membre du conseil a présenté, a produit. Vous avez répondu. Ça met un terme à ça. On peut toujours vous relire la procédure. Lisez la procédure, monsieur le président. La procédure, où est-ce qu'on se trouve? Tu le penses, la procédure. Il paraît s'attendre un tout petit peu à cela. C'est réaction à l'approche de la décision finale. Suivez. Du Conseil constitutionnel. À l'appel, c'est l'article 63 de la loi 2004. À l'appel d'un dossier du Conseil, on ne revient plus. C'est là, c'est voilà les étapes. Oui, vous avez eu à répliquer, à répondre, à faire des observations sur. On sort des documents qu'on nous présente, en nous traitant d'être malhonnête intellectuel. Monsieur le Président, le plus simple, c'est qu'on sorte tous les 32 documents. Pourquoi, Monsieur le Président? On ne peut plus revenir. Monsieur le Président, on vous a montré. Monsieur le Président, attendez. Nous devons avoir ces documents. Non, vous avez répondu. Monsieur le Président, nous devons avoir ces documents. C'est pourquoi, terminé. Monsieur le Président? C'est terminé. Parce que autrement, Monsieur le Président, on a taxé nos arguments de faux. Nous disons, Monsieur le Président, que ces arguments n'étaient pas faux. Et qu'on sorte des 32. Si vous continuez, on va arriver que c'est un incident. Monsieur le Président, on va le régler par décision. Monsieur le Président, qu'on le prenne. Monsieur le Président, qu'on le prenne si on veut. C'est comme un incident, on le prendra. C'est à 32 PV. Les débats sont clos. Monsieur le Président, l'élection se joue là. Prés ont peur d'être sortis, Monsieur le Président. Prés ont peur. Prés ont peur. Monsieur le Président, on sort 6 PV, ou 3 ou 4. Et on a montré un PV où toutes les pages sont signées. Il est réglementaire. Un seul. Et les autres ne le sont pas, Monsieur le Président. Nous demandons ici maintenant pour que les Camerounais sachent ce qui s'est passé, qu'on sort les 32 PV. Qu'on les sorte, on attend. La prise d'audience, c'est pas vous qui l'avez. Tu parles. Voilà. Les débats sont clos. Monsieur le Président, ce n'est pas clos. Monsieur le Président, on attend. C'est vous qui clôturez. Non, Monsieur le Président. C'est vous, c'est le contraire. Monsieur le Président, on attend les 32 PV. Monsieur le Président, on attend les 32 PV. Les débats ont ended. Je pense que c'est non longer time pour un débat. Il y a un problème. Some other judges, if they have observations to make, before the Constitutional Council can now move to render its ruling. J'ai entendu même dans les juridictions là, le président parler deux fois pour donner une décision. Mais soyons sérieux quand même. On n'a pas entendu, Monsieur le Président. Le président termine les débats deux fois. Bon, on est au Conseil constitutionnel, délibéré demain à 18h. À 18h. So 6 p.m. Demain. Tomorrow, I think. Voilà. 6 p.m. tomorrow for ruling. Monsieur le Président, pour avoir entre les 2h, CPV, Monsieur le Président, c'est possible. À l'affaire en délibéré pour 18h. Vous pouvez aller consulter. Bon.